Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level One. Oh, il fait tout noir tout à coup, nous enlever. Ah bah non, c'est pour lancer la démo de Crash Bash. Bonjour les Melgroup, vous allez bien? Ça va très bien. Ça roule? Ouais. Je suis avec Andy et Passy. Content de vous avoir, les filles. Bah nous, on est heureuses d'être là. C'est vrai, vous êtes des joueuses et tout ça, et ça vous plaît? C'est bien marré, juste avant de commencer. L'ambiance était chaude. On va continuer ouais, comme ça. Ouais, on va voir. C'est un truc super à jouer. Oh, ça fait. Regarde, c'est un très beau masque. Si je me mets comme ça. C'est formidable. Donc l'idée, c'est Crash Bash. C'est plein de petits jeux différents. Des jeux débiles, on a vu ça tout à l'heure. Mm-hmm. C'est vrai. T'as pas l'air. Je suis un peu nul là-dedans. Donc, ça m'a l'air de te plaire tout à l'heure. Ouais, super. Mais une fois que t'es dedans, tu vois, tu lâches plus le truc. Ouais, c'est ça qui est sympa. C'est vraiment le truc à jouer avec des copains. Donc voilà, les copines, les Mel Groove. Et on va se latter à Crash Bash. Et ça va être la fête. Donc on peut jouer tout seul, mais c'est pas très rigolo tout seul. L'idée, c'est de jouer. Bah, on est trois, on peut jouer à quatre même. Donc j'ai vu que sur la pochette de l'ancien album, vous étiez quatre. Et vous êtes plus que deux. Qu'est-ce que vous avez fait des autres? Bah, il y en a une qui est partie. Et puis il y a Patrice qui est toujours là, mais qui veut plus être trop. Qui se cache ouais. Le dos de la pochette ou... Voilà. D'accord. Voilà. Ah, mais il aurait pu venir comme ça, on bah aurait juste les quatre. Patrice, t'as bien ce que t'as là. Ouais, parce qu'on va bien se marrer, je le sens. Donc on choisit un personnage, c'est les personnages habituels de Crash Bash. Donc ils ont des têtes assez délirantes. Il y a Crash, il y a sa copine, je sais plus les noms exactement. Tiens, je vais prendre Crash, moi. Vous prenez qui les filles alors? Déjà, je sais pas si. Moi, je suis rose ou vert. Je sais pas. Arrête de bouger. Qui bouge le plus? C'était moi alors. Bouge. Ouais, c'était moi. Attends. Donc la petite blondinette, c'est-à-dire le joueur 3, c'est qui? C'est moi. D'accord. Et moi, je vais prendre. Donc Passy, ce sera la petite blondinette. Et moi, c'est Norton. Et Andy, ce sera le kangourou. Ah non, Norton, non, non, c'est Norton. T'as pris le petit barbu. Ouais. Alors, on va commencer par le truc qui nous fait le plus rire. Ça s'appelle Polar Panic. But du jeu, faire sortir l'adversaire de la banquise en fait, en le chargeant bêtement. Donc, ça nous fait beaucoup rire. Vous aimez bien. Vous jouez chez vous, non? Vous avez un des peu. Consoles ou pas? Un peu. Moi, j'ai pas de console, enfin, j'ai qu'une Game Boy. Bah, c'est une console, c'est bien. Ouais, ouais. Dans le métro et tout? Ouais. Et vous avez des joué fois, chez je rate ma station, que... je suis énervée, mais à part ça, ça va. C'est le problème de la Game Boy, ouais. C'est rater la station. Parnasse, wow. Bienvenue. Alors, donc voilà, Norton. Alors qui c'est quoi? Norton, c'est Andy. Ouais, c'est logique, N comme Andy, dingue. Tu l'as choisi exprès ou pas? Non, pas du tout. Je savais que c'était un grand esprit de toute façon. Et la petite copine de Crash, donc c'est Passy, et moi je suis le Bandicoot, quoi, comme d'hab. Et donc... pour. Passy, tu vas vite, hein? Tu trouves? Avec mon petit. Il est où le méchant? Le vilain, petit, Le du méchant, coup, c'est l'ours. Non, c'est le kangourou. Kangourou, là, c'est le kangourou. Donc je propose une alliance contre le kangourou, les filles. Ouais, je te laisse pas faire. Bon, moi je reste à côté. Donc, ouais, tu pourrais venir nous aider, s'il te plaît. Passy, elle fait du patin. On va faire Candelro à l'avant alors que voilà, on se démène pour se débarrasser du kangourou mutant nous. J'essaie de m'approcher de lui mais il veut pas venir vers moi. Ah je vais tomber vite. Ah, on tombe au bord de la fenêtre, appuyez sur carré pour se rattraper. Ah non, reviens, carré. Andy, oh, reviens. Je suis tombée. Aïe, aïe, aïe. Et moi aussi c'est bon, j'ai rattrapé. Ah t'as eu de la chance. Et en fait. Bon, tu t'as décidé de rien faire finalement, pas si tu vois. Regarde, je m'aiderais pas par exemple. Carré. Ouais, c'est bon, t'es revenu. Mais aide-moi! Là. Ouh, on le tient, c'est bon. Vous êtes même pas il faut l'acculer dans un coin de ce truc. Allez, allez, non. Allez, alors là, la allez, France vas-y, te regarde. Vas-y. Il reste plus que toi. Mais en fait, pour le pousser, je dois appuyer sur quel bouton? Carré. C'est les chars. Carré. Alors au-dessus de nos têtes, là, il y a les petites jauges. Carré. Qui indiquent le souffle des personnages. Allez, vas-y, carré. Tombe pas! Carré! Battu par l'ordinateur, les filles. La honte, alors qu'on avait fait une coalition. Ouais. Heureusement, il faut trois victoires pour gagner bon, le match. Non, mais c'était vraiment. Histoire de le, tu vois, c'est ouais. Mettre à l'aise, mettre dans le bain. Confiance. Ouais, c'est fou. Tu regardes en plus comment il se la raconte direct et tout, tu vois. C'est vrai qu'il en fait un peu trop, il mérite une petite leçon d'humilité. Non, c'est pas grave, je t'en veux pas. Merde. J'aime beaucoup les cris de J'aime bien scolaire. Parce que je vais dans le vent. Tu... Allez. Ouais, ouais. Bon, maintenant, bon bah il reste plus que nous trois maintenant. Donc. Et qu'est-ce qui vous arrive là-haut? Laissez-moi tranquille. Je sais pas ce que t'en penses, Andy, mais je trouve que Passy a pas fait grand-chose tout à l'heure. Mais c'est moi qui ai jeté le. On pourrait peut-être faire une coalition complètement lâche. Oh les salauds, les salauds. Oh, elle va tomber toute seule, c'est oh, la non. Ah, j'étais un peu dur. Donc voilà, il reste plus que moi et Passy. Passy, oh, c'est pris un poids. Oh.
On vous a pas expliqué l'histoire du poids, en fait. Mais si, tu nous as expliqué. Je vous ai expliqué, mais les gens, ils ont pas vu encore. De temps en temps, il y a un poids qui vous tombe sur la tête. Donc il y a un petit poids au début et un compte à rebours. Donc il faut s'en débarrasser en le refilant aux autres. Voilà. Mais là, on n'avait pas vu qu'il était arrivé, le poids. C'est qui me jette? C'est un mais qui polaire. C'est qui parle mal comme ça? Mais t'es déjà sorti, toi. Mais c'est quelqu'un qui m'a jeté. Bah c'est pas moi, moi j'ai la coalition. Non, il n'y a pas de coalition. C'est ça qui est bien avec ces gens. Ce qui est mortel, c'est que moi je saute dans le vent. Andy, t'es qui toi? Ah, t'es un petit bonhomme. Bon, Andy, attention. Mais non, c'est le jeton. Elle lâche la manette. Elle me regarde, elle fait. Ah. Tu peux pas rien faire. Andy, tu t'es jeté alors que t'allais gagner. Les filles, il a deux. Il a deux. On a zéro. Moi j'ai un et encore, c'est un miracle. Donc attention, concentré. Tous sur le kangourou. Il est où d'abord? Il est là au milieu, regarde. Voilà. Facile, sa stratégie, c'est d'attendre que tout le monde soit tombé, en fait. Attends, j'en ai trop fort. Ah, je suis tombé. T'es tombé. Bon, allez, viens là, Passy. Explique-nous. Vas-y, Passy, tu peux pas me faire ça, quand même. Est-ce que ton ours polaire fait le même bruit que le mien? Pense à Nina. Oui. C'est bizarre comment ça crie, un ours polaire. Allez, viens là. Je vous demande de vous arrêter. Ça fait l'ours polaire a le même cri que le baladur, en fait, j'ai l'impression. Oh là, t'es au bord, là, t'es au bord du gouffre. Ouais, et alors? Mais arrête de te sauver. Viens. Mais je te pousse, tu vois pas que je te saute dessus. Ah, bon, très bien, ça fait quoi, ça? Une victoire pour moi, et me dis pas de victoire encore. Bon, la prochaine, ouais, mais c'est moi qui l'ai viré, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a assuré, tout à l'heure. Alors, attention, c'est parti. Merde. Ah, c'est le kangourou hein, qui t'a... C'est pas moi, hein. Moi, j'étais là, mais, moi. Mais arrête de me pousser. Je pousse le kangourou. Oh merde, j'ai failli me jeter dans le vide. Oh, mais c'est qui me... C'est peut-être moi, un moment d'égarement. Voilà. Poussez-le. Oh là là là. En fait, ce qu'il faudrait, c'est arriver à le coincer contre un... J'allais dans un... Ah non, je suis tombé. C'est ma faute, pardon. Oui, j'avais bien remarqué, hein. Ah, mais c'est ça, c'est ça. J'ai failli me jeter dans le vide. Il reste plus que vous deux face comment à lui. Comment je suis en train de... Oh, pas mal. Ne laissez pas gagner parce que sinon. Ouais, oh, pas si, bien vu. Voilà, allez, attention, maintenant, match au sommet, je cache la manette. Un petit tour de patin. Vous pouvez transformer. D'un côté, sans rien bonne avec la queue de cheval, je trouve. Crash Bandicoot. Bon, calmons-nous. Vous devriez vous battre. Oui, je dis ça. Il vous reste 30 secondes pour vous départager. Après, sinon, il y a égalité, on est obligé de tous revenir. Je fais un tour sous la caméra. Oh là là, il va y avoir un éclair qui va tomber. Alors, ah pas merde, sur la moi, tête de moi, Andy. Moi. Non, non, c'est bon, toi, t'es protégé. Ah, je suis protégé. C'est vrai que tu lui prennes le petit éclair. C'est ça. Bah, si. Quand donc, essaye de lui rentrer dedans pour lui prendre l'éclair. Oh, 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 t'as un vêtement. Bon, yes, voilà. Norton, hey, je te kiffe. Bon, pas mal. Donc encore un match. Oui. Après, je pense qu'on passera. Si quelqu'un gagne, on va pouvoir passer aux autres épreuves pour voir un peu ce qu'il y a. Allez, maintenant, je m'en fous, je pousse tout le monde. Comment ça, tu pousses tout le monde? Bon, d'accord, c'est comme ça, d'accord. À la guerre. Vas-y, comme à la guerre. Ouais, ok. Il y a plus de... Oh là là. Ok, chambé. Attention, il y a un éclair qui se balade. Donc celui qui a l'éclair est protégé du tonnerre, en fait. Et pour le moment, c'est l'ordinateur. Donc là, ah non, c'est moi qui l'ai, l'éclair. Et voilà. Alors pousse-nous pendant qu'on est grillé, là. On peut plus rien faire, on peut plus... Merci. Sympa, je te réinviterai, toi. Ouais, allez, vas-y, pousse-le encore. Ouais, bien vu, Passy, encore toi et moi, ouais, ouais. C'est le duel au sommet à chaque fois. Impressionnant. Viens là, viens, Passy, viens. Viens, j'ai un truc à te dire, Passy, viens, viens, viens. Viens. Dans l'oreille de viens, l'ours. Viens, j'ai un truc à te dire. Oh, pas mal, t'as des turbos à l'arrière de l'ours. Ah, t'as des turbos. Ouais, ouais. Nanana. C'est étonnant. Non, ça, c'est quand je fais deux fois... Passy, viens là, oh, c'est toi. Viens prendre ta raquette. Ouais, oh, oh là là. Ah, un coup de plus et c'était bon. Hein. Pensez à laisser vos jauges se reconstituer en fait. C'est un peu comme si la bestiole devait récupérer son souffle. Oh, oh là là. Qui s'est moqué de moi ici? C'est vrai, c'est vrai. C'est bien réveillé sur la fin. Hein. Donc attention, là normalement... Andy a gagné. Non. Avant j'étais nul. Là, là, si toi tu gagnes, ouais. Donc là... ça peut se faire la fin du match, là, ça peut être ça. Eh, hey, il veut me virer tout de suite, comme ça. Balle de match. Il est fou, lui. Ah, le kangourou. C'est bizarre, il est... C'est kangourou avec une queue de crocodile. Ah, il y a un poids, là. Alors, qui a le poids? Ah, c'est lui. Non, c'est moi, ça va tomber sur moi, j'en veux pas. Tiens, prends-le, Andy. Non, 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 non. Alors, attention. Et voilà. Ah, il s'en met. Allez.
Oh non, 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 non. Ah, c'est bon, j'ai failli tomber. Ouais, c'était une. Alors, il reste encore vous deux. Donc, si Andy gagne, normalement, elle a gagné la coupe carrément. Parce que là, viens là, Passy. Toi, t'as avec un point, je crois. Hein. Viens, Passy, viens. Bonne chance, Passy. Mmh. Oh là là. Non, pas de crier, carré. Tu viens de tuer l'ingénieur du son. Eh bien, écoutez, c'est un massacre. Voilà. Alors, que pensez-vous de cette victoire? Oui, je savais que j'allais gagner, de toute façon. Bon, pas mal. C'était écrit. Ça, c'est la chance du débutant, ça. Donc, elle coupe en or, carrément. Non, mais c'est bien, hein. C'est bien. Mais, j'ai ma PlayStation à la fin du truc, hein. J'espère. Monsieur Sony, envoyez-nous une PlayStation. Elle voulait une PlayStation, on en a qu'une, ici. Si on nous donne celle-là, on peut plus faire de level 1, c'est horrible. On passe à un autre. Ouais. Alors, on va essayer d'autres épreuves. Je vous montrerai comment on joue entre-temps. ne prends pas ce petit temps, toi. Elle dit agace maintenant, ça y est, elle est rentrée dans le jeu. Donc là, c'est le lâcher de caisse, si je puis m'exprimer ainsi. C'est le truc où on se jette des caisses à la figure pour essayer d'être le dernier en vie dans une arène, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ça vous plaît jusqu'à présent? Oui. Oui. Vous êtes des fans de... Si je vais faire le prochain jeu, je vais dire, ouais, ça me plaît. C'est comme ça, pas très fair play, faut que tu gagnes pour que ça marche. Sûr. Bon voilà, donc il y a des caisses de différentes sortes, on va les découvrir au fur et à mesure. Et but du jeu, essayer d'assommer ses petits camarades à coups de caisse. Comment on ramasse déjà les caisses? Avec le rond sur le... Voilà, tac. Oh merde, pardon, Passy. Alors je vous rappelle que l'ordinateur c'est toujours le kangourou. Donc si on pouvait une fois de plus faire une alliance, ce serait pas mal. Et les petites pommes, c'est pour récupérer des points de vie. Tiens, je vais l'attaquer genre diable de Tasmanie. Le kangourou, ça lui fera pas de mal. C'est bon, je crois qu'il n'y a plus de kangourou. Mortel. Bon, bah donc ça va se régler entre nous, ce qui est quand même plus rigolo. Alors on aurait été 4 évidemment, on aurait eu 4 joueurs humains, ça aurait été sympa aussi. Voilà. Et quand on joue tout seul, on ouvre des nouveaux niveaux. Là, on n'a que 4 niveaux disponibles au début. Prends ça. Alors les caisses de nitro, les caisses vertes, faut les éviter. Sinon, ça finit mal. Oh, je suis mort. Donc entre vous. Encore? Eh oui, je sais pas, vous m'impressionnez. Hein. Attends, attends. Mais en fait, vous êtes habitué. Vous m'avez dit que vous jouiez à Oddworld. Vous aimez bien Ed. Je me suis fait... Petite bestiole. Ah oh, bah voilà. Ah, j'ai gagné tout seul. Tranquille. Tu t'es fait sauter sur une caisse, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bon, attention, vengeance. C'est parti. Donc les caisses de TNT, il y a un petit compte à rebours. Je vais lui ramasser une caisse verte. Voilà, ah, c'est pas une très bonne idée de ramasser des caisses vertes. Tiens, lâche ça. Oh non. Oh mais c'est qui? C'est vraiment super. Moi je vais aller manger un peu. Je vais me ramasser toutes les poules. Comme ça au moins tu récupères quelques points de vie, t'es tranquille. Ouais, exactement. Voilà. T'as bien fait de choisir un personnage qui a un N sur le front, comme ça on sait que c'est toi. Oh le salaud. On reconnaît tout de suite. Eh, hey, qui c'est qui? Non, j'ai la... Oh, pardon. Oh là là, oh là là. Bon, je m'écarte. Je propose qu'on s'occupe de l'ordinateur. Ah, il y a moi, j'en ai mangé une. T'es moche avec ma caisse. C'est pas du tout ce que je voulais. J'envoie des caisses dehors. J'envoie les caisses dehors. Tu peux aussi tourner sur toi-même. Moi, je suis Wissam Love. J'envoie toutes les caisses dehors. Pour pas qu'on se blesse avec. C'est ça. Pardon, mon sentiment, en fait. Je suis dingue. Ouh là là, moi j'ai explosé. Oh non, il a gagné. Bah l'ordinateur. On n'est pas concentré, on n'est pas, tu vois. Non, moi je faisais du... Bon. T'étais plus doué sur la glace, toi. J'envoyais les trucs dehors. Plus doué au patin. Bon, ça existe depuis quand les Mel Groove? Parlons à faire un peu. Bah les Mel Groove, ça existe depuis 5 ans maintenant. 5 ans, la vache. Ouais, mais ramasse-toi. Attends, attends, attends. Et vous avez commencé comment alors? Vous êtes passé au tout début? Bah au tout début, on a rencontré Patrice. Il travaillait avec chacune de nous individuellement. Vous n'étiez pas copine d'enfance quand vous étiez toute petite? Non, non, pas du tout. Vous pouviez pas vous blairer. Bon, on n'habitait pas les mêmes quartiers en fait, tu vois. Et lui, il vous a réunis en fait pour chanter. C'est-à-dire que, tu sais, il travaillait avec nous. Oh, j'en ai marre, il travaillait avec nous. Oh, je suis morte. Bon, je peux parler. Vas-y, parle pendant qu'elle s'occupe du kangourou. Il travaillait. Oh, zut, il m'a eu, salaud. C'est pas fini, tu avec... pas si, faire. Bien. Tu peux, tu peux. C'est un salaud de kangourou, toi. Ça. Et donc, on écoutait ce qu'il faisait avec les autres Nala. Ouais. Et je suis tombée sur ce que Passy et sa sœur faisaient, Passy et Dédi. Et je crois, c'est mortel ce qu'elles font. Et elles ont fait la même chose de leur côté, tu vois, sans qu'on se consulte. Elles avaient écouté ton truc à toi, elles trouvaient que c'était ouais, bien. Ouais, et elles trouvaient que c'était bien. Et puis, on oh, a salaud faire, ça a démarré, on voulait faire un featuring. Oh, oh il a gagné, oh, le fini. Alors, tu me déçois. Donc, un featuring et on s'est rencontrés et puis depuis ben voilà quoi, on est encore là en train de jouer à ton stupide jeu. C'est la rançon de la gloire, tu sais, il y a des moments difficiles des fois. Voilà. Merde, je suis en train de sauter. Chanté, vous êtes connu, mais il faut venir jouer à level, ouais, voilà, c'est. Enfin, faut payer tout ça. Alors voilà. Et donc depuis on travaille ensemble.
Allez, allez, vas-y. Vous marrez bien, vous. Mais pas si la semaine casse trop petit. Ça la figure à une grande enregistrement. Oh là là, comment je suis en train de marrer. Non, en fait, Patrice, ben, c'est lui le seul garçon du groupe. C'est lui qui travaille avec nous depuis le début. Et voilà. C'est lui qui vous encadre, on va dire. Voilà. C'est lui qui nous... Et c'est des fois qu'on s'oublie comme ça. Merde, j'ai jeté ça là-bas. Je comprends. Il vous empêche de choper la grosse tête, c'est ça? Entre autres. Sympa. Attends, je vais la voir celui-là. Je t'ai eu, sale. Oh là là, j'arrive pas. Merde, attends. Il y a des enfants qui regardent. Allez, concentre-toi, Patricia. Attrape la caisse. Ne te regarde pas parce que tu... En fait, moi, je suis tellement concentrée dans le jeu. Ouais, non, mais il faut. Oublie le reste, c'est pas grave. Oh là là. Faut qu'on gagne contre cet ordinateur et il n'y a plus que toi qui peux le faire, donc... Allez, Patricia. Oh, le salaud. Je me redresse pour que tu vois bien. Le voilà. Salaud. Ah, ça laisse pas faire. Essaye avec le carré de carrément lui rentrer dedans, quoi. Mangez oh, il a pommes. Encore gagné. Allez, les filles, mangez des pommes. J'ai essayé de manger une pomme. Les baladures, l'ours polaire, bon, manger des pommes. Bon, allez, il a gagné. C'est un jeu du RPR, il y a des messages subliminaux dedans. Je te jure. C'est horrible. Bon, une petite épreuve. Le truc qui sautille, ça vous ferait plaisir? Je sais pas comment ça va. Il y a ça un autre truc là ou pas? Bon, en fait, c'est une trottinette, mais... En roue et avec un ressort. Voilà. Voilà, comme ça, c'est clair. Pogo Painter. Voilà, c'est un pogo stick, je crois que ça s'appelle en anglais. Et l'idée, c'est ces espèces de trucs sur lesquels on rebondit et on va essayer de colorier des cases, en fait. Comme à l'époque de Qbert. Toi, t'as connu Tetris, Miss Pac-Man, tout ça. T'as peut-être connu Qbert, un petit personnage qui coloriait des cases sur une pyramide. Non? Je suis trop vieux, c'est horrible. Moi qui m'en souviens de Qbert. C'est pas grossier. Hein, parce que c'était vendu avec le truc, quoi, tu vois. Sur la Game Boy, bah oui. Ouais. Alors t'arrives à combien de lignes à Tetris, tu te souviens, quoi? Niveau 20. Ah, pas mal. Ouais, quand même. Je sais que j'ai du mal à dépasser les 100 lignes. C'est avec quoi qu'on saute, même? Ça saute tout seul. Ah ouais, c'est moi qui saute. Donc alors là, je vais expliquer le but du jeu. Chaque petit personnage colorie les cases avec sa couleur. Et le but du jeu, c'est pourquoi j'ai des missiles? De choper des points. Ah bah c'est pour tirer sur les autres missiles. Mais non, enfin, je sais pas, j'ai des rétrofusées, on dirait. Tire sur... Avec passion, on était nés, on n'arrivait plus à bouger. Donc le but du jeu, c'est de colorier les cases, et une fois qu'on a colorié suffisamment, tac, on saute sur une case violette, et là, les cases coloriées se transforment en points. Donc il faut être un peu malin et essayer de colorier le maximum de trucs. Évidemment, on peut recolorier les cases de l'adversaire pour lui piquer des points, ce qui est pas mal. Une caisse, viens, toi. Et pour pimenter le tout, on a des missiles un petit peu pour se tirer dessus et des chaussures qui courent vite. C'est qui Merde. Pourquoi il m'a tiré dessus, lui? Il est fou. Parce que c'est l'ordinateur et qu'il nous a gagné déjà. Il nous a bien énervé tout à l'heure. Avec Patsy, on est coincé dans le coin. Donc on a toujours les mêmes personnages depuis tout à l'heure. Ouais. Donc Patsy, c'est la petite blonde à queue de cheval. Andy, elle a son N sur le front. On peut pas la louper. C'est le barbu. Et puis l'ordinateur, c'est le kangourou. Bon. J'ai des chaussures qui courent vite. J'aimerais bien voir s'il y a une caisse dans les parages. Il y en a une. Mais c'est l'ordinateur qui vient de la choper. Mais c'est qui va vite comme ça là? L'ordinateur il speed là. Oh le fumier. On avait dit salaud pour les kangourous. Fumier c'est les ours. Une caisse. Bon, attention, il reste plus que 2 secondes. Alors le gagnant est... Ah, c'est l'ordinateur, regarde. Il avait 87. Je suis la dernière. Oh. C'est comme à la météo, c'est super dur à faire. Et 85. C'est la Normandie, c'est recouvert. C'est dingue, 85. J'ai 85, j'étais pas loin. Vous aviez combien, vous? Moi, j'avais 47. Ah, je suis doué à ça. Allez, prends. Ouais. Quand c'est vieux, je suis doué. Donc, en gros, l'idée pour aller vite, c'est de prendre les chaussures pour courir le plus vite possible. Merde. Mais il n'y a pas de arriver le premier avant les autres sur les caisses. Ah, et les flèches. J'ai pas expliqué les flèches. Quand on saute sur une flèche, ça colorie la rangée de la direction qu'elle indique. C'est pas très clair, mon truc. Ouais. Ok. Voilà. Donc, attends, l'ordinateur, il est quoi? Il est vert. Donc, je propose d'écrabouiller plutôt les carrés verts. Comme ça, il marquera moins de points que nous. Okay. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais le suivre. Comme ça, je vais effacer tout ce qu'il fait. Oh, bah, si t'as pris de la dynamique, là. On aurait pu faire ça entre nous pour... Merde. Ouais, bien vu, je sais même pas utiliser le mot. Faut que j'aille prendre les chaussures. Allez, prends les chaussures. Alors sinon, en jeu, vous êtes des fans de Tekken, tu m'as dit, Patsy. Tekken. Oui, je prononce pas. Patsy, marche pas sur les plates-bandes, toi. Merci de le souligner. Tekken. Tu l'as, Tekken, en fait? Oui, on a Tekken. On a même Tekken Tag sur PlayStation 2, carrément. Ah, ouais. Et vos potes, les nègres marrons qui sont venus, on s'était frités sur Dead or Alive aussi. Voilà, c'était bien. Avec le pistolet? Non, c'était un jeu de baston, Dead or Alive, dans le genre de Tekken, Dead or Alive 2. Sauf que moi, c'est plutôt défini. J'aimerais bien jouer un Time Crisis, tu vois. Ah, Time Crisis, c'est pas mal.
Mais t'es une violente en fait. Jeu de baston, gun et tout ça. Ouais, j'aime bien, j'adore. Pourtant, vous chantez des trucs plutôt cool, plutôt groove. Ouais, mais tu vois. Tu viens de te défouler plantant. Au fond de nous, tu encore vois. Encore. Nous sommes des bêtes. Ah, c'est moi qui ai gagné. Hé, hey, pas mal. 114. Faut que je pète. Dis donc, oui, dis donc, t'as carburé. Impressionnant. Il suffit de prendre des chaussures. Ouais, en fait, moi je trouve aussi. Ouais, le plus simple, c'est exactement de... ce qu'il faut faire. Parce que tu vas plus vite que tout le monde, donc tu fais les trucs plus vite. Le problème, c'est quand tout le monde a compris qu'il fallait prendre des chaussures. Oh, pas mal, Passy. Il les a piqués sous le nez, là. Oh, on va piquer la boîte. Allez, là. Moi, je vais suivre l'ordinateur. Je vais jouer l'équipe, en fait. Je vais suivre l'ordinateur et je vais lui effacer tout ce qu'il fait. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il gagnera pas. C'est ça qui est rigolo avec ce jeu. Comment on tire avec les... Avec le carré. Dès que tu vois un ordinateur en face de toi. Donc, pas un renard, hein, mais un ordinateur. Bien d'accord. Et moi, je suis en train de passer derrière. Je colorie les cases. Il fasse tout. C'est un bête jeu de coloriage, en fait. Hein. C'est stupide comme truc. Oh, j'en ai marre. Tout le monde a les chaussures. Moi, j'ai fait le chemin de pépère. Tout le monde va avoir des chaussures de marque, et voilà. C'est comme dans la vraie vie. Je te jure. C'est horrible. Ah, ça y est, les pompes sont à moi. À moi, les chaussures de sport qui courent vite. Et voilà. Oh là là, il a 88 pépères, là. Il faut absolument l'empêcher de marquer, hein. Sinon il va nous piler, je pense. Ouais. Ouais, je les ai, enfin. Ouais, j'en ai pris. Ah là 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 là. Vite, 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 ça y est, c'est Passy qui a les chaussures qui courent vite. Merde. Et il reste plus que 4 secondes. Oh, Passy, elle peut encore le rattraper, l'ordinateur, là. Ah non, il a gagné. 89, 98, t'étais pas loin, nous, on est quand même loin. Toi aussi, 89 aussi. 68. On se connaît. C'est bizarre. Bon, alors, encore un... Bon, je commence à avoir mal au pouce, moi. Ouais, ça fait mal au bout d'un moment. Des acharnés. Sinon, on peut changer d'épreuve. Il y a encore une épreuve qu'on n'a pas faite, qui est assez rigide. Ah, donc tout à l'heure, je suis du sur place. Alors, il y a aussi d'autres arènes, là j'en ai pris les plus simples, mais il y a d'autres arènes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Avec des gadgets un peu plus compliqués, en tout cas c'est sympa Crash Bash. Ouais, j'aime bien. Elle joue à plusieurs, c'est bien. Il y a des potes qui viennent. Mais là, parce que tu fais n'importe quoi. Ouais, t'es pas mal. 13, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Non. T'as fait mieux. Ouais. T'as connu en meilleure forme. Tu viens de me souffler la caisse juste où on est. Eh, hey, Passy! Ah, c'est ah moi, non, c'est moi, toi. C'est moi, je m'excuse! C'est pas fait exprès, j'ai vu une forme s'agiter loin devant. Oh non! Ah, c'est moi qui les ai! C'est la grosse bagarre dans l'angle. Wow, bien vu! Où est-ce que je suis, moi, déjà? Ah, j'ai manqué les chaussures! Non, tu les as là, tu traces comme une malade. Alors, à quoi vous jouez, à part Tekken? Et vous êtes d'autres trucs que vous aimez bien? Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi, franchement, en général, c'est quand je vais dans les salles d'arcade, c'est Time Crisis, le 2, que j'aime bien. Ça cartonne pas mal, ce genre de truc. Ouais. Et les tapis de danse, t'as essayé, non? Ben non, j'ai pas encore essayé, j'aurais bien aimé essayer. Oh, on le sert après, on en a un ici. Mais sinon, j'ai joué à Bust a Groove. Ah, c'est bien, ça. Il n'y a pas de tapis, bien. Mais c'est le même principe. Dans l'idée, c'est bien, faut être dans le rythme, toi. Ouais. Et en général, moi, je suis dans le rythme. T'es plutôt dans le rythme. Ah, oui. Encore lui? Oh, bah, il a gagné trois fois, il nous a pilé. Ah, il m'a eu de peu, hein. Il nous a pilé à l'autre truc aussi, hein. Le jeu des caisses, là. Ouais. Bon, alors il reste un jeu pour se rattraper. Oui. Et plus beaucoup de temps en plus. Donc on va essayer de nous montrer qui on est à cet ordinateur. Voilà. Ça sait faire, les filles, quand même. N'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est quoi cette histoire d'avoir besoin de me donner le bois, là, que je finisse? Ah, voilà, c'est ça. Alors regardez, il y a des petits cadenas, ça veut dire qu'il y a d'autres épreuves que j'ai pas ouvertes encore. Alors il fallait que je joue tout seul pour les ouvrir. Et là, l'idée, alors les filles, c'est tout simple, je ne vous ai pas expliqué encore, c'est droite-gauche pour se déplacer. Mm-hmm. On appuie sur R1 pour aller un peu plus vite, et sur le carré pour taper plus fort la balle. Voilà, c'est juste ça. Droite-gauche, R1 et carré. Voilà, c'est tout. Et on va se retrouver chacun à un angle de l'espèce de patinoire, trois, voilà. 2, 1. Donc moi, je suis en bas, Passy, elle est à droite, et Andy, t'es juste en face de moi, en fait. Donc voilà, but du jeu, essayer de marquer des buts à l'ordinateur qui est à gauche plutôt. Après, on réglera les choses entre nous. Mais évidemment, il va y avoir de plus en plus de billes qui vont rentrer sur le truc. Peur. Un peu comme un flipper avec une extra balle. Ouais. Oh merde, j'en ai laissé passer une. Alors évidemment, t'as un décompte, t'as droit à 15 balles. Tu peux laisser passer 15 balles. Au-delà, ça devient un peu compliqué. Merde.
Oh oui, un très bel arrêt du goal. Ah oh ouais, ouais. Joue au foot. C'est moi, j'ai tout appris à Barthez. T'as la même coupe de cheveux que lui déjà. C'est dans le jeu en tout cas. Oh, t'es marqué un but, Passy, je suis désolé. Non, je l'ai rattrapé. Hein. Pas celui du bas, je t'en ai envoyé en bas, j'ai pas fait de spam. Oh Mais ça, c'est plus basique, je trouve que c'est moins rigolo. Le plus rigolo, c'est quand même la banquise. J'ai tendance à crier un peu. Ouais, je pense que l'ingénieur du son est mort. On l'entend plus, ça fait un moment. Pourquoi se poser de questions? Moi, je suis un peu dans l'espace, là. Ouais. Oh, zut! Oh là là, là, j'en ai pris plein, là. Alors, attention. Ah, ça y est, on a éliminé l'ordinateur, cool. Donc, il reste plus que nous trois, c'est bien. T'es pas très fort, l'ordinateur, sur ce coup-là. Non, mais en plus, tu sais, la petite voiture, là, elle va pas assez vite. Hein. Il faut appuyer sur R. Appuie sur R, ouais, pour aller plus vite. Tu peux aller un petit peu. Oh là, ça part de je partout. Crois que je suis morte, hein. Alors maintenant, c'est entre Andy et moi. Oh là là, oh là là. Sauf que Andy, elle c'est la fin. Je suis à la masse. Gagné. Pas mal. Mais vous avez remarqué que vous avez une ligne toute petite alors que nous, elle est bien grande. Ah, hein. C'est la perspective. Ne sois pas mauvaise joueuse. Ouais, s'il te plaît. Hein. Bon, mais c'est moins rigolo ça. On en plus, on a pas. On va finir. Non, j'aime bien moi. T'aimes bien? Pénible. Genre, il est facile. Moi, je finirais bien sur une petite. Petite banquise là. Une petite castagne. Pour la fin. Ouais. Allez, ouais. Ouais, allez. Juste en un coup pour voir qui est le maître du monde entre nous trois. Ça va être la fête. Bon, en tout cas, c'est bientôt fini. Donc déjà, merci d'être venus, les filles. C'était super cool. J'ai même pas vu si on a parlé du groupe. C'est vrai. Si vous avez de la promo et tout, allez-y. Pendant que je sélectionne les menus. Il y a le single qui est sorti. Qui est toujours en vente. Donc, allez, viens. Ça s'appelle Viens. C'est le duo avec DazFX. Et il y a l'album qui sort le 9 janvier. Et vous êtes deux sur l'album. On est, enfin, on est trois, toujours trois. Même on est quatre, parce que Dédi avait écrit une petite chanson pour nous aussi, tu vois. Ouais. Donc on est quand même toujours quatre dans l'âme. Bon, moi j'ai acheté que le premier encore, mais donc je peux pas l'acheter, il est pas encore. Non, le 9. D'accord. Le 9 janvier. Cool. Ah bah, quand ce sera diffusé, quand vous avez votre argent de Noël. Voilà, on peut demander au Père Noël ce genre de choses. Ouais. Bon, vous laissez pas virer de la banquise pour autant. Ouais. On va finir en se fritant là-dessus. Et là, qui est le plus fort? Je me rappelle Donc ce qui serait pas mal, ce serait qu'on vide l'ordinateur tout de suite. Frapper, c'est avec le carré. À chaque fois, j'oublie. C'est un final. Entre nous, ce sera cool. Et vous avez des tournées prévues, des concerts, des choses comme ça? Ouais, on va faire... Début janvier, on fait une tournée Fnac. Ouais. Tournée des Fnac. On fait un concert au MCM Café le 17 janvier. Oh, je me suis plantée. MDL a été virée. Ah, vous avez du boulot, dites donc. Ouais. Pas sur la planche. Oh là là. Ah, je vais virer l'ordinateur pendant qu'il est grillé. Andy, je t'épargne. Ah non, faut pas que je tombe. Ah, allez, ça juste attends. Ah non, c'est pas Andy, c'est Passy. C'est Passy qui est resté. Donc Passy, c'est entre toi et moi. C'est la Suisse. Pour le Passy, la Suisse. Viens par là. C'est vrai que... Oh, le cri de l'ours polaire, moi j'aime bien. J'aime bien le cri de l'ours polaire. Ah, il est épuisé, mon ours. Arrête de bouger. Ah non, putain. Vraiment... Oh non, 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 il a non, non. Ah oui, oui, il tombe. Oh, non. Bien vu, quel suspense, mes enfants. Absolument terrible. Bon, je vais attendre qu'il se recharge, mon ours, là. Profites-en pendant qu'il est à terre. Non, 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 non. Oh, j'arrive pas à l'attraper, celui-là. Mais son couillon, ses ours, il pouvait pas avoir des antidérapants. Oh, égalité. Oh là là. Genre, tout le monde a gagné. C'est un peu l'école des fans. Bon, allez, une dernière pour la route. Non, on s'en fout. Comme ça, tu seras peut-être avec nous pour la finale, finalement. Ouais. Donc, ça veut dire tous contre l'ordinateur. C'est qui m'attaque tout de suite? L'ordinateur. Il n'y a que lui qui a mauvais fondement, il est gentil. Comment je ne lâche pas? Viens là. Ouh là là, j'ai un éclair au-dessus de la tête, ça veut dire que vous allez tous vous faire griller. Donc, on va essayer d'en profiter pour balancer l'ordinateur dès qu'il va être grillé. Donc, pour le moment, je me plante. Voilà, hop. Donc, je vous épargne et je m'occupe de l'ordinateur. Ouais. Voilà, c'est fait. Cool, donc il reste plus que nous. Ok, ok. Allez, venez, on se frite et puis on va finir là-dessus. Bon, Passy, viens, on l'élimine, Passy. Non, non, non. Passy, Passy. C'est moi le chef de cette mission. Oh, Passy. Attends, je vais te venger, attends, tu vas voir. Andy, penche. Andy, pas dit. Ah, pas mal, pas mal. Bon, ça finit sur une belle victoire, voilà. Bon, ben, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci, les filles, c'était super sympa de vous rencontrer. Merci, c'était cool aussi. C'est bien marré, c'est cool. Donc voilà, les main groupes, moi j'aime bien et je pense que vous aimerez bien aussi. Je pense que nous, on va continuer après. On va régler ça. Ça vibre. Allez, à ciao, à bientôt pour un prochain Level One. Salut, salut. Ciao.